Une lourde accusation pour Latimone, une famille de Martigues porte plainte contre l'hôpital pour homicide involontaire après la mort de leur fils de 24 ans. Le jeune homme admis en juillet pour la pose d'un pacemaker est décédé d'insuffisance cardiaque 6 jours après. La famille met en avant le manque de moyens humains et matériels. D'après elle, le personnel soignant aurait minimisé la douleur de la victime et dénonce le diagnostic tardif de son état de santé. L'intervention elle-même est maîtrisée et connue. Ce n'est pas le facteur principal de risque, bien que toutes les interventions comprennent un risque et un risque de mortalité qui, même quand il est exceptionnel pour certaines, existe toujours. Le principal, c'était la maladie pour laquelle ce jeune patient a été opéré. Et c'était le principal risque dans ce cas-là. En ce moment, il y a la Coupe du Monde de rugby, ça s'appelle Beauterme touche ça. Parce que nous, on ne parle pas de quoi il est décédé, on sait de quoi il est décédé. C'est une insuffisance cardiaque. Nous, on parle de comment on en est arrivé à l'insuffisance cardiaque.